ici est au Salon de l'agriculture, qui est la plus grande ferme de France. Cette année, on a encore plus envie de mettre en exergue notre présence parce que nos agriculteurs ont encore plus besoin de nous. Chambre de commerce, chambre d'agriculture, même combat. On a les mêmes intérêts, on veut faire grandir notre pays, on veut de l'autonomie pour notre pays, on veut de la souveraineté et on veut que nos entrepreneurs, qu'ils soient agricoles ou qu'ils soient dans le commerce, qu'ils soient dans l'industrie ou dans les services, vivent. Nous avons amené à Paris, au Salon de l'agriculture, un peu de soleil, un peu de la bonne humeur. C'est primordial pour nous de nous faire entendre. C'est primordial que nous soyons reconnus vraiment comme une chambre et surtout que l'économie de Saint-Martin soit mise en valeur déjà par la présence de M. Di Crescenzo et surtout par rapport à toutes les actions et toutes les formations que nous allons mettre en place suite à sa venue. Ça met en lumière le petit territoire de Saint-Martin, notre petit paradis et c'est ce qui nous tient à cœur. Les chambres d'agriculture et les chambres de commerce sont vraiment un enjeu commun d'aller défendre les intérêts de nos entreprises qui sont souvent très convergents, communiquer auprès du consommateur pour qu'il achète français par exemple, travailler sur la décarbonation. Puis quand même, le dernier point à ne pas oublier, c'est que le monde agricole, il fait des produits mais qui sont transformés par des entreprises dans la majorité des cas. Et donc on a un enjeu commun, c'est de mettre en avant la production française, agricole mais aussi la transformation française, d'aller chercher auprès du consommateur un consentement à payer un peu plus fort. Et ça, c'est un enjeu que l'agriculture ne réussira pas sans les entreprises qui sont derrière. Ce que souhaitent aujourd'hui au premier point nos consommateurs, c'est des produits d'agroalimentaire français. Et donc il faut arriver à leur fournir ces produits agroalimentaires au juste prix. Le futur, c'est la possibilité pour nos agriculteurs d'être sur un pied d'égalité au niveau européen. Et donc on doit être dans un état de droit, un état de juste compétitivité. Et c'est ce que l'on souhaite pour la France. On vit une période difficile pour notre agriculture, il est important que nous soyons là. Ça, c'est le grand objectif aujourd'hui de nos chambres et on y travaille tous les jours.